Aussi décisive que le débarquement en Normandie, la libération de Saint-Lô ouvre la voie vers Paris. L'armée américaine pousse jusqu'au sud-ouest, tandis que les Britanniques, les Canadiens et les Polonais avancent depuis le nord-est. Le territoire contrôlé par les Allemands entre les deux est rapidement baptisé « Poche de Falaise ». Les combats pour la réduction de cette poche comptent parmi les plus âpres et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Ce type me colle son flingue dans la gueule. Vous croyez pas que ça suffit pour demander un transfert? Tu devrais peut-être écrire à ton député. C'est vraiment très drôle. En piste, on part pour Saint-Germain. La 90e manque d'effectifs, on va être incorporé dans leur rang. Votre demande de transfert a abouti, Guzzo. Dites-moi que vous préféreriez pas être avec ces gars-là. Ils ont la belle vie. Ouais, ils ont plus qu'à nous attendre bien gentiment. Tout le monde se tait. Bon, au signal, on va prendre cette colline. Il faut qu'on contourne les boches, sinon le reste de la division pourra pas passer. Non ! On y va ! Allez, allez, allez ! Come on!
Hé, merde! Il faut que je regarde! Écoutez-moi! Un canon anti-char empêche nos blindés d'avancer. On va devoir l'éliminer en se séparant en deux groupes pour le prendre à revers. Le premier groupe passera sur la gauche par cette maison et suivra le lit de la rivière. L'autre suivra ce mur et progressera jusqu'au sommet de cette crête. Compris? Nichols, vous passez en premier.
Allez, on y va nord-ouest. Ces vols sont vraiment pétards. On y va, les gars. Avancez vers ce canon anti-char. Voyez-vous, les gars,
Tiens. Suivez-moi. Excellent, on a des boches à reprendre. Sergent. Une minute, je réfléchis. Il tire, on dégage. Je commence vraiment. Pas marre de te pousser au cul, Nichols. Allez, on y va. Repliez-vous. Repliez-vous.
avions en urgence, bon sang! Envoyez-nous des renforts! Je répète, il nous faut du soutien! Puisse avancer. Au-dessus!
Les gars. Restez ici. On a fait notre boulot, à eux de faire le leur. Je veux simplement admirer le spectacle.